Merci au Seigneur d'avoir permis que tout se passe bien. D'abord, grande est ma joie de savoir que les obsèques se sont bien passées. J'ai un message à laisser à Kamel Sama. Kamel Sama, j'ai un message pour toi. Je ne te laisse pas le message en tant que ton beau-père. Mais je te laisse le message en tant que bon citoyen, en tant qu'homme spirituel, en tant que quelqu'un qui veut le bonheur de celui qui est en face de lui. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Et ce qui peut arriver à Makroko peut arriver à Makraka. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, là, il y a des personnes que je vois sur la toile dans mon direct que j'ai eu à interpeller ma belle-fille. Beaucoup se sont permis, je dis bien, beaucoup se sont permis, voilà, beaucoup se sont permis d'interpréter mon direct d'une manière ou d'une autre. Je me suis abstenu parce que tout le week-end, c'était un deuil. Tout le week-end, on était dans un moment un peu triste. Mais aujourd'hui, je voudrais parler. Voilà. Excusez-moi. Vous qui aimez Kamel Sama, est-ce que vous aimez Kamel Sama que nous? Répondez à ma question. Kamel Sama là, qu'on l'appelle Kamel Sama, est-ce que vous qui l'aimez, vous qui avez de l'amour pour Kamel Sama, vous l'aimez que nous? Répondez à ma question. Qui a doté Kamel Sama? Qui a aimé Kamel Sama la première fois? De vous à moi, c'est qui? Vous savez, dans la vie, quand tu ne veux pas de ton chien, il ne faut pas le traiter de lépreux, il ne faut pas le traiter de la rage. C'est la vérité qui est là. Vous tous qui venez faire aujourd'hui des commentaires là, répondez-moi. Celle qui s'appelle Kamel Sama, qui l'a aimé que nous, la famille de DJ Arafat? Qui l'a aimé? Vous ne l'avez pas aimé que nous. Nous, on l'a marié. Nous, on l'a doté. Et puis nous, notre fils est décédé. Et quand notre fils est décédé, nos fils a pris nom. Nom comme ça. André Bagage, on l'a mis dans sa tête. Une jeune fille de Yopougon Sipores est devenue une femme de Dubaï, une femme renommée, une femme internationale. C'est la grâce de Dieu. C'est le plus beau bonheur qu'on peut accorder à son épouse, à la femme qu'on aime. Arafat est mort. Écoutez-moi, hein. Arafat est mort. Arafat est mort. Je n'ai pas dit que Arafat est vivant, hein. Arafat est mort. D'aucuns viendront dire de quoi tu te mêles, d'où tu viens, qui tu es. De la manière je ne suis rien, c'est comme ça, j'ai toujours parlé jusqu'à ce que l'opinion nationale et l'opinion internationale puissent savoir que dans la vie, on peut ne pas être, mais Dieu peut donner son esprit à quelqu'un de dire ce qu'il doit dire. Si Arafat vivait, ce qu'il allait dire là, c'est ce que moi, son oncle là, je suis en train de dire. Donc écoutez-moi bien. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas Kamel Sama que nous. Internet qu'on appelle Internet là. Qui a été humilié, frustré, blessé? Mais ça ne m'a pas empêché de donner de mon amour à ma nièce. Ça ne m'a pas empêché d'être auprès de ma famille. Sur le lien de quoi? Sur le lien de sang. Kamel Sama, sur le même lien de sang avec Rafna, tu ne devais pas abandonner la famille. Tu ne devais pas abandonner la famille. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est pas de lui cacher la vérité. Elle est jeune par rapport à moi. Hein. Moi, je suis là, je suis adulte. Mais ce que j'ai dit là, c'est pour Rafna. Pour Rafna. Kamel Sama. Il n'est pas tard.
Moi et puis ma nièce là, on n'est pas badé. Mais moi et puis ma nièce là, c'est le sang. Mais toi et puis ma nièce là, vous êtes badé. Ma fille, faut aller voir, faut aller voir. Faut aller voir ta belle-mère. Elle n'a que trois enfants. En espace de trois ans, il y a un qui a disparu. Il y a une qui a disparu. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tu peux aller voir ta belle-mère. Vous devez causer, vous entendre. C'est ce qui est la vérité. Vous qui parlez, vous n'avez pas Marie Kamel, hein? Ni sa famille, ni vous, ni quelqu'un, ni qui que ce soit n'a aimé Kamel Sama que la famille de moi, Ange Didier. Aujourd'hui, là, Arafat, en tant qu'un artiste, excusez-moi. Hein? Voilà. Je vais terminer ma vidéo ici. Donc, voilà. Arafat en tant qu'artiste, n'a pas eu deux femmes qu'il a épousées. Arafat a connu beaucoup de femmes. Voilà, la connexion est revenue. Donc, Arafat n'a pas eu deux d'épouses sur la terre. Il a eu qu'une seule femme. Ça, vous devez retenir ça. Et la seule femme qu'il a eue là, c'est Kamel Sama. Arafat est mort. Bébé Kala est morte. Si vous avez la conscience, si vous êtes intelligent, venez dans ce direct et puis parlez. Si vous avez de l'intelligence, venez dans ce direct et puis parlez. Mais si vous n'aimez pas Kamel Sama, venez dans ce direct et puis insultez-moi. C'est quand je vous dis la vérité. Et c'est la vérité que je vous dis. Dites à Kamel Sama. D'abord, un, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Hein? Montez-les vite. Je ne suis pas contre du fait que Sidiki Diabaté a fait un clip avec Kamel Sama. Mais je suis contre parce que le staff de Sidiki Diabaté a choisi le mauvais moment. Oui, le mauvais moment. Retenez une seule chose. Moi, je vais parler. Mes parents ne vont pas parler. Mais moi, là, j'ai parlé. Oui, le reporter, je ne sais pas de qui. L'homme qui cherche buzz. Oui, l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, l'homme qui n'a pas honte. Oui, l'homme qui doit l'évangéliser. Oui, l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, moi, je vais parler. C'est pour vous dire. Le staff de Sidiki Diabaté a choisi le mauvais moment de faire sortir le clip de Sidiki Diabaté pendant que Kala est décédé, pendant qu'on n'a pas encore enterré Kala. C'est-à-dire que la vue qu'il cherchait là, c'était mal vue. Maintenant, ce que je vais vous dire, et j'arrive, je te rappelle tout à l'heure. Ce que je vais vous dire, j'aurais appris que vous dites que Rafuna est pris en compte par Sidiki Diabaté. J'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé. La famille Moi Ange Didier, la famille Gouro, la famille Bété, la famille Yakuba. Vous pensez qu'on est tellement pauvre. Vous pensez qu'on n'a pas d'argent. Hey, Jesse, viens ici, mon fils. Tague Jesse, viens là. Viens, petit, viens. Viens, c'est Daddy qui te parle. Viens ici. Jesse, viens. Viens ici, petit. Vous pensez que nous, on est tellement pauvres, on n'a pas l'argent, on n'a rien pour s'occuper d'un enfant qui a 10 ans, 3 ans. Hein? 10 ans, 3 ans là. Nous, on n'a pas l'argent pour s'occuper de ça. Genre, on est tellement misérables. C'est Sidiki Diabaté qui va quitter au Mali pour venir s'occuper de notre enfant. De Sidiki Diabaté à Kamel Sama, c'est Kamel qui ne sait pas vendre le nom de son village. C'est pour cela qu'il l'a acheté moins cher. Kamel veut son argent, elle qu'a prend son argent. Sinon, Rafna là, moi là, j'ai nourri enfant dans Tchéké, dans Garba, dans Poisson Fumé, dans Jovan, dans tout. Et puis ils sont devenus des ministres, des gouverneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Ici, chez nous en Afrique là, un enfant là, on peut le nourrir avec tout. Vous parlez de quoi?
Raphaël, elle a besoin de quoi pour grandir? Elle a besoin de quoi pour être nourrie? Écoutez, écoutez. On n'est pas malheureux, on n'est pas désœuvré, on n'est pas rejeté par la société pour dire qu'on n'a pas les moyens pour nourrir Raphaël. Vous dites des choses que vous ne tenez pas les informations vraies. Écoutez, je vais terminer mon direct. Si c'est trop long là, vous êtes trop bavardé dans mon direct. Mais je vais terminer mon direct. Ce direct là, Arafat a trois sœurs. Et Arafat n'a pas marié deux femmes. On n'a pas dit qu'Ahmed Sama n'a qu'à ressusciter Arafat pour la marier. No way. I don't know. Mais la seule chose qu'on lui demande, c'est le respect d'éthique. Le respect. Et ce respect-là, c'est ce que je suis en train de trôner en ce moment. Kamel, va voir la famille. Hé, hey, ma fille, si tu es arrivé là où tu es là, c'est le nom de gourou, c'est le nom de bété, c'est le nom de Yakuba qui t'a mis là où tu es. Pendant les funérailles là, si nous on t'a mis là où tu es là, c'est nous. Je vais parler jusqu'à... Vous, Aloua Supporteo, Aloua Ishmakwao, basta de vous. Vous n'avez jamais aimé Kamel Sama. Nous là, on l'a aimé et puis on l'a doté. Toi tu parles là, tu te perds ton mari. L'homme avec qui tu vis, l'homme avec qui tu es, il décède. S'il n'est plus là, qu'il y ait un enfant avec vous deux. L'enfant là, tu le l'enfant là, il est là. Mais ton amour là, tu remplaces à qui? À ses parents. Ça n'est pas dit que tu n'as pas droit à Maklaka. Ce n'est pas dit que tu n'as pas droit à Makoloko. Ce n'est pas dit que tu n'as pas ce droit. Vrai ou faux? Tu as ce droit là. Tu es libre d'aller où tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de comparaître où tu veux. Mais le cul de Sidiki Diabaté là est malvenu à une période où la petite soeur d'Arafat est décédée. Vous sortez un clip pendant que nous on pleure pour venir caresser notre S-belle-soeur. Ah mais c'est elle qui veut qu'on l'appelle S-belle-soeur. Sinon en réalité c'est notre belle-soeur. Parce que femme là, il n'y a pas son S. Femme là c'est femme. Mais quand tu es marié, c'est femme. La mère de ma fille là, elle vit avec un homme. Quand il y a voilà, alors ma femme, oui Monsieur Zopo, c'est le respect, c'est l'équilibre, c'est l'équité. Voilà. Je termine mon direct. Les mains de Zopo marquent élevées. C'est pour vous dire, vous qui aimez Kamel Sama, aimez-la parce qu'elle est jeune. Aimez-la parce que demain là, c'est notre jour. Aimez-la parce que dans la vie là, on sait jamais. Kamel Sama, partagez. Celui qui n'a pas partagé ma vidéo là, c'est qu'il n'a jamais aimé Arafat. La Chine, pour. Tout le monde partagez. Kamel Sama, va voir ta maman. Va lui demander, va lui dire Yako. Même si elle te chasse, va lui dire Yako. Oui, moi je suis parti. J'ai enterré ma fille. Et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'il y a Rafna en toi. Et nous, il y a Rafna en toi et nous, il n'y a pas internet en toi et nous, il n'y a pas commentaire en toi et nous, il n'y a pas tous ceux qui sont autour de ça là, en toi et nous, Kamel Sama, ma fille Kamel, va voir, il faut laisser ça, j'ai le cité là, on connaît, mon bébé, il faut laisser, va voir la famille en s'asseoir, aucun membre de ta famille n'est venu soutenir une seule seconde. Ma soeur, pendant les obsèques. Mais qui a insulté sur la toile? C'est Max Zopo. Qui est profiteur? C'est Max Zopo. Qui ne considère pas? C'est Max Zopo. Max Zopo par-ci, Max Zopo par-là. Mais, I don't know, you know, my friend, personne ne pourra enlever l'amour de ma famille dans mon cœur. Si pour l'amour de ma famille, il doit être humilié, je serai humilié. C'est comme ça, toi, Kamel, tu dois le faire. Tu ne dois pas avoir d'orgueil. Pour Rafna qui existe en toi et nous. Sidiki Diabaté, si tu aimes trop Kamel qui t'a fait clip avec elle là, c'est toi et puis ton staff là, c'était pas le moment de faire surtout le clip. Dans la vie là, il y a ce qu'on appelle le discernement, il y a ce qu'on appelle la vision de l'aigle. La saison n'était pas ça. Sinon, ton clip là, c'est pas mauvais, mais c'était pas le bon moment.
parce qu'on pleurait. C'est ce qui est la vérité. Voilà. Appelez-le désormais le King. C'était lui, Marc Zoppo. Moi, il ne parle pas trop. J'agis. C'est ce qu'est la vérité. Voilà. M'a dit, tu fais quoi pour être au chevet de Tina? Vous là, si je vous réponds, c'est que je vous ai trop considéré. Tu fais quoi pour être au chevet de Tina? Tu penses que perdre deux enfants, comme ce que ma soeur est en train de subir là, tu penses que c'est amusement pour que tu as venu faire commentaire, tu fais quoi pour être au chevet de Tina? Je ne veux pas te souhaiter ce qui nous arrive. Mais de la même manière, vous avez l'information de notre famille sur la toile. De la même manière, c'est à partir d'Internet. Vous savez ce qui se passe dans notre famille. C'est à cause de ça que je vous parle. S'il te plaît, faut le prendre Tina, il faut la laisser en paix. Aucune mère au monde, aucune maman au monde ne pourra supporter la douleur dans laquelle elle est. Vous savez, il n'y a pas deux manières de se foutre de quelqu'un. Il n'y a pas trois manières de dire à quelqu'un que je ne te considère pas. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez. Je parle à Kamel Sama. Et à Kamel Sama, je suis en train de lui dire, viens, c'est la famille. Viens, il y a Rafna. Va, c'est ta belle famille. Même si tu es marié, à cause du sang ouan, que Rafna a là, on ne peut pas nous dissocier. C'est ce qui est la vérité. Vous voyez tout en commentaire de Facebook, en commentaire de votre toile. C'est parce qu'on a utilisé la toile qu'on vous parle sur la toile. Vous comprenez? Voilà, moi je parle plus. Partagez mon direct. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous comprenez? Kamel, ma vidéo là, tu vas voir ça. C'est l'homme qui te parle. Faut prendre ton cœur là. Faut mettre ça en bas. Il faut t'élever. Va vers ta belle famille. Parce que dans la vie là, on souhaite rien. Quand on vit avec le bonheur. Quand on vit, s'il y a le bonheur, on doit penser aussi à un moment aussi où il n'ira pas le bonheur. Pas dans ta vie, mais il y a ta famille, il y a tes amis, il y a tes proches. Mais aujourd'hui là, je sais que vous êtes en train de réfléchir. Le staff de Sidiki Diabaté là, réfléchissez aussi. Et puis, on vous attend. C'est ce qu'est la vérité. Chacun peut interpréter mon direct comme il veut, comme il entend. Mais ce qui est la vérité, c'est ce qui est ça. Appelez-le le King, désormais. C'est